Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur là c'est un work in progress sur Goldorak, voilà. Vous avez peut-être vu le short de mon ami Michel Scozy Beautiful, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu, qui a fait un short sur la version CPC. Il y a aussi une vidéo de Tarodus YouTube, je vous retrouverai après. Et là j'ai vu qu'il y avait une version démo Mega Drive, donc j'ai téléchargé la ROM, c'est marqué en haut, c'est Beta 02. Hein, pour voir ce que ça donne. Donc les jeux Goldorak, il n'y en a pas des masses, hein, il y a des Homebrew que je vous ai montré. Il y a le jeu Mazinger sur MAME où vous pouvez utiliser Goldorak. Microïs d'en faire un, mais bon, je m'inquiète un petit peu vu leur jeu Hanmac Caveman Ninja qui était pas terrible. Voilà, pas très fan de jeu quoi. Très joli, mais assez dur. Donc le bouton A, on peut tirer. Oula, attention au missile. Bon, après, les graphismes sont un peu sobres, je trouve, pour l'instant, mais là, je suis pas programmeur donc je peux pas vous dire. Par contre, vous voyez le vaisseau de Goldorak sur cette version quand on s'incline. Ben, le sprite change un petit peu, voilà. Le bouton B, si on appuie, je vais avoir les fulgures au point. Regardez, il a écarté les bras. Mince, je suis mort. C'est pas grave, on recommence. La base du professeur Potion, là où est caché Goldorak. Alors là, j'ai le corps de fulgure. Ben, ça m'a pas gardé les fulgures au point, mais enfin, si on appuie sur B, vous voyez, on a les fulgures au point. Mais apparemment, on a qu'un. Voilà, donc comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est une bêta. Et puis je vous montrerai après la version sur PC parce que vous pouvez jouer dans votre explorateur internet. Voilà, pas besoin de télécharger de ROM, d'émulateur. Mais regardez, comme je disais la dernière fois que je vous ai montré le Goldorak Jumbo, tiens, un Golgot. Voilà, il tire pas mal de missiles. Hein. C'est un truc qui a marqué moi ma jeunesse, Goldorak. Puis apparemment ils sont multi-plateformes. Hein. Il y a du CPC, je crois qu'il y a même la GX4000. Voilà, ça peut être sympa comme projet. Après clairement le décor de fond, j'aurais préféré une nuit étoilée ou un truc un peu plus huppé pour la Mega Drive, mais bon, c'est le début. La tortue Kawabunga. Ah, puis là ça revient au départ. Voilà, donc c'est assez court, hein. Je vous dis, c'est une version bêta. On va aller voir le site internet, je vous montrerai la version sur l'explorateur. Donc déjà, ce que je vous disais, vous voyez, il y a la vidéo, le short de Michel, comme quoi les shorts, ça peut être utile. Oui, il y a Rasputin, et puis il y a la manif que j'ai filmé ce matin. Et la vidéo de Passion Jeux Vidéo TV, Tarodus YouTube, qui parle de ce Goldorak. Donc je vous mettrai le lien de la page en description. Regardez, Goldorak Amstrad GX 4000 version. Voilà, une page dédiée à un projet de jeu Amstrad. Apparemment, ça a quelques mois. Donc, la programmation C-Square, la musique de Pulsophonique, graphisme et scénario, Eric Cubizol, hein, très connu dans le milieu de l'Amiga, puisqu'il a le site, il a le Facebook Amiga. Et d'autres projets. Donc, les fichiers, on cliquera ici, on ira voir après. Le concept, un shoot'em up parce qu'on est une verticale. Les graphismes, donc la petite intro qu'on a vue sur la Mega Drive, qui est quand même pas mal, je trouve. Voilà les différentes routes. Le menu du jeu. Bon, alors là, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de menu sur Mega Drive. Les sprites d'animation. Là, c'est sympa, on voit pas mal de choses. Regardez, Arimage. Hop, le vaisseau qui va sur les côtés. L'animation des fulgures au point. Donc, le corps de fulgure. Et puis, celui-là, ouais, je l'ai pas, je pense qu'on doit le looter, peut-être. Le sprite des planitrons, voilà, ça c'était pas... Quand j'ai appuyé sur la touche B, je n'ai pas eu les planitrons. L'explosion d'un Golgoth. C'est marrant aussi, comme ça on voit comment sont faits certains sprites. Puis vous reconnaissez des vaisseaux assez classiques hein, de l'univers de Goldorak. La soucoupe amirale. La deuxième soucoupe amirale qui avait une sorte de forme... Moi j'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait un peu à une grosse abeille à l'arrière. Une abeille à pattes. Les soucoupes. Voilà, ça c'est assez sympathique, je trouve. Donc, apparemment, il y aura l'Alcorak qui se débloque. Oh, les écrans de Game Over, alors là c'est classe. On a le grand stratégaire. On a Minos. On a Hidargos. L'écran de score. Les différents niveaux, voilà, on peut avoir un petit aperçu de ce que ça sera. Donc, la prairie, la mer, la forêt, la montagne, la fissure de lave, le volcan, la plaine de Vega. Et la ville de Tokyo.
Voilà, donc allez jeter un petit coup d'œil, hein, allez voir, c'est sympathique. Et puis vous voyez, vous avez des vidéos. Donc la GS4000, pour l'instant, on ne peut pas la télécharger. Ce sera prochainement. Là, c'est Sega Mega Drive, vous cliquez et vous faites enregistrer la cible sous. Enregistrer le lien sous, voilà. Sinon, ça ouvrirait une fenêtre, vous aurez tout le code. Ils ont même prévu le TO-8, l'Atari 8-bit, le Sinclair, la version online qu'on ira voir. Voilà, il y a deux versions online et une version Lutro. Donc on va aller voir la version online de Love 2D. Vous voyez, ça va charger. Je clique sur Go Full Screen. La musique n'est pas la même. Hein. Voilà, donc version Amstrad. Allez, on va jouer avec le clavier. Et là, oui, ça commence sur la merde fort, par contre. Voilà, donc c'est la barre espace pour les tirs. Et puis les flèches pour déplacer le vaisseau. Ça vous permet de goûter un petit peu à cette version bêta, sans avoir besoin d'un émulateur et de programmes du genre. Je le trouve plus facile que la version Mega Drive. Oh, lui, par contre, il est rapide. Ouh! Il a fait une tirée dessus. Ouais, vous avez vu, j'ai mis une pluie de missiles. Alors par contre, je sais pas comment on peut changer d'arme, parce que là, je vois pas de changement d'arme. Sur la version Mega Drive, c'était le bouton B, puis vous aviez les petits carrés. Là, vous voyez qu'il y a plus de petits carrés. Il n'y a pas de bouton là pour changer. En bas à droite, vous avez les vis et trois têtes de Goldorak. Voilà, ouais, ça a l'air plus facile. Alors, c'est l'autre version que j'ai dû essayer avant d'enregistrer la vidéo. Parce que le son parfois déraille un petit peu là, le son est meilleur, je trouve cela. Voilà. Mais voilà, donc pour faire suite à la vidéo de Michel, il n'y a pas de copiage, hein, je vous le dis. Je regarde souvent les youtubeurs américains et tellement que je vais pas regarder les youtubeurs français. Et puis là, entraînant sur YouTube, j'ai vu le short, j'ai vu Goldorak. J'ai entendu Eric Cubizol, voilà, deux mots qui font tilt dans ma tête. Et je vous dis, je vais faire une vidéo parce qu'il y avait une version Mega Drive. Donc je mettrai le lien du short à Michel, bien sûr, de la vidéo à Tarodus YouTube aussi. Et puis le lien de la page, vous pouvez télécharger. Là, vous pouvez vous faire une petite idée. Oh bah tiens, je me suis fait exploser, ouais. Bon, le boom est très sobre. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis sur ce jeu, enfin cette preview, hein, voilà, c'est un work in progress, c'est le début. Vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!